Bonjour à tous, moi c'est Audrey. Bonjour, moi c'est Sacha. On va vous présenter notre avis sur le court-métrage de João González réalisé en 2022. Il s'intitule Ice Marchand et a participé au concours court-métrage en 2023. Nous avons aimé ce court-métrage car on y a vu plusieurs messages cachés, comme le réchauffement climatique. Au début de l'histoire, le père et son fils vivent de la vente des glaçons. Mais à cause du réchauffement climatique, ils ne peuvent plus en fabriquer. Ou encore une tache jaune qui fait référence à une maman absente. On voit que le père et son fils. On suppose que la maman est morte. Nous avons aussi beaucoup aimé la musique lors du premier saut. Parce qu'elle est dynamique. Finalement, malgré la tristesse de l'histoire, nous avons beaucoup aimé le fait que les personnages ne meurent pas à la fin. Leur chute est amortie par la pile de bonnets perdus. En revanche, nous avons moins aimé le fait qu'il n'y ait pas de parole. Parce que ça rend le court-métrage plus long et un peu ennuyeux. Merci d'avoir écouté nos avis. C'était Sacha et Audren, à la prochaine!